laissez-moi vous parler de Jésus, quelle est la première chose qui vous vient à cœur en disant, si je dois parler de Jésus à quelqu'un, qu'est-ce que je dois lui dire, quelle est la chose la plus importante que quelqu'un doit savoir au sujet de Jésus? Vous connaissez Jésus? Oui? Quand on dit, laisse-moi te parler de Jésus, et quelqu'un dit, mais, qu'est-ce qu'il y a donc de si important concernant Jésus? Et le message ce matin, c'est Jésus t'aime. C'est pas compliqué, ça tient en trois mots. Nous voulons simplement dire Jésus t'aime. C'est peut-être facile à dire, mais certains ont du mal à le réaliser. Euh, vous vous souvenez de Alain Auderset c'est un Suisse, un dessinateur chrétien. Il est venu ici déjà deux fois euh, à Drummondville. Et voilà un, un de ses dessins qu'il a pu faire, où il y a deux enfants qui sont euh, sur un banc. Disons, Jésus t'aime. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, nous ne prenons pas ici le modèle de l'amour qu'il peut y avoir dans la société actuelle. Et quand on voit des adultes qui disent Je t'aime, et puis qui divorcent deux mois plus tard, ou un an plus tard, ou qui disent Je t'aime, mais qui après s'envoient des assiettes, des casseroles, ou sort le fusil, on dit C'est ça l'amour Non, non, l'amour de Dieu, c'est bien autre chose. Et ce matin donc nous disons Jésus t'aime. Et on pourrait aller dans 2 Samuel en guise juste d'introduction. Euh, c'est quoi la diapositive suivante Est ce que c'est ça 2 Samuel 22 17. Alors Salut, il est question de secours, et euh, on relit le verset 20 dans la seconde. Il dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé par ce qu'il m'aime. Alors, premièrement, que connais-tu de Jésus? S'il faut parler de Jésus ce matin, s'il faut dire que Jésus nous aime, la question que l'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que tu connais de Jésus ce matin Dans Luc 24, vous savez, c'est la résurrection, Jésus a été crucifié, maintenant il est ressuscité, il rencontre deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et Jésus leur demande, Jésus leur pose cette question. Mais es pas au courant de ce qui s'est passé? Et Jésus lui-même dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Et puis il répond, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles. Donc c'était un prophète puissant, on le sait parce qu'on a vu ses actes, on a vu, on a entendu ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir que c'était celui qui délivrerait Israël, mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés. Voilà deux disciples et il y a quelqu'un sur le chemin qui leur dit, mais qu'est-ce qui se passe et, et ces deux disciples leur disent, laisse-moi te parler de Jésus. Et lorsqu'ils veulent parler de Jésus, ils racontent ce qu'ils savent. Mais ils ne savent pas tout. Ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et pour eux, la, la situation est catastrophique, la situation est triste. Jésus est mort, c'est fini. Ils ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Alors on comprend quand on dit à quelqu'un laisse-moi te parler de Jésus. Si on parle de Jésus juste avec ce que l'on sait et si l'on ne sait pas tout, notre discours peut être triste, accablant et même peu édifiant. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains milieux, dans certains milieux religieux même, il y a des gens qui veulent parler de Jésus, mais ils savent pas tout de Jésus. Et le message qu'il raconte c'est pas un message de joie c'est pas un message d'espoir mais c'est triste c'est fat c'est plate c'est affligeant et on dit mais c'est ça jésus ça donne pas envie mais ces deux disciples ne savent pas encore que Jésus est ressuscité ils savent juste ce qu'il a dit ils savent juste ce qu'il a fait et pour eux maintenant c'est fini c'est fini il est mort et l'histoire s'arrête là Aujourd'hui encore, peut-être que certains disent, mais moi je connais Jésus. Moi je sais, je connais des choses sur Jésus. Peut-être vous savez premièrement ce qu'il a dit. Et quand on dit, laisse-moi te parler de Jésus, et quand on dit, qu'est-ce que tu connais de Jésus, pour certains, connaître Jésus, c'est savoir ce qu'il a dit. En disant, je sais que Jésus a dit telle et telle, et telle chose. Est-ce que vous êtes capable de, de citer de mémoire des choses que Jésus a pu dire? Des commandements, un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Je me souviens quand Jésus a dit, race de vipères. Ça, ça c'est bien, j'aime bien quand Jésus dit les choses. Je me souviens quand Jésus a dit, celle chose, telle chose, telle chose. Et quand on veut parler de Jésus, on se souvient de ce qu'il a dit. Mais faut-il déjà entendre ce que Dieu dit hein? Vous savez, des fois, euh, enfin, le prophète lui-même dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent Mais Jésus parle, Dieu parle, mais moi, j'entends rien. C'est un petit peu, je reviens à notre ami euh, Alain Auderset, qui a fait ce petit dessin-là. Sur la diapo suivante, on voit mieux. On a, on a donc un homme qui se pose une question Qui sommes-nous Pourquoi sommes-nous ici Et il se pose la question sur le sens de la vie en disant Mais qu'est-ce qu'on fait sur la terre Et il est là en disant Mais qu'est-ce qui se passe Et il lève les mains au ciel en disant Oh Dieu pourquoi nous avoir laissés sans réponse Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous dis rien Et voilà la réponse. La réponse est là. Elle saute aux yeux, elle nous tombe dessus. La réponse, elle est dans la Bible. Et ce n'est pas pour rien que les chrétiens ont l'habitude d'appeler la Bible la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça veut dire quoi littéralement Ça veut dire c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle au travers de la Bible. Et certains diront moi, je connais Jésus, je sais ce qu'il a dit. Et dans la parole de Dieu, nous savons ce qu'il a dit. Je reviens à Luc 24, ce chapitre de la résurrection où il y a des femmes qui sont là dans le tombeau. le corps n'y est pas, le tombeau est vide, elles ne savent que penser de cela, et voici deux hommes leur apparurent en habits habit resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Que sais-tu de Jésus Il y en a qui cherchent Jésus parmi les morts. Il est vivant. Les deux disciples du chemin d'Emmaüs ne savent pas que Jésus est vivant. Ils le mettent parmi les morts. Ces femmes ne savent pas encore que Jésus est vivant. Et elles cherchent le corps de Jésus parmi les morts. Et on vient leur dire, il est vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, certains cherchent Jésus parmi les morts. Et laisse-moi te dire, ne cherche pas Jésus parmi les morts. Ne cherche pas Jésus dans les choses des hommes ne cherche pas Jésus dans la religion, ne cherche pas Jésus dans les principes humains, ne cherche pas Jésus dans, dans ces choses mortelles, il est vivant. Jésus est vivant. Et voilà euh, la suite de, de ce passage, voilà ce que disent les messagers, il n'est point ici, il est ressuscité, et voilà la preuve, quelque part, on veut les amener à quelque chose. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Et voyez-vous, les messagers disent aux femmes, Jésus est ressuscité, souviens-toi de ce qu'il a dit. Connaître, c'est une chose. Savoir ce que Jésus a dit, c'est une chose. Mais il faut s'en souvenir au moment opportun et être capable d'analyser ce qui se passe autour de nous au travers de ce que Jésus a dit. Ces femmes ont entendu Jésus. Ces femmes étaient là quand Jésus a parlé, quand Jésus a enseigné. Mais là, devant le tombeau vide, elles comprennent pas. Elles ont entendu les paroles de Jésus, mais elles ne les ont pas saisies. Elles ne les ont pas comprises. Et certains, aujourd'hui, connaissent les paroles de Jésus. Et peut-être que vous aussi, vous allez dire Mais moi, je connais la Bible. C'est une chose de connaître la Bible. C'est une chose de connaître ce que Dieu dit, ce que Jésus dit dans la, dans la Bible. Mais faut-il encore comprendre faut-il encore saisir Faut-il encore être capable d'expliquer ce qui se passe à la lumière de ce que Jésus a dit Et là, les deux anges disent à ces femmes, pour comprendre pourquoi le tombeau est vide, souviens-toi de ce que Jésus a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Et le verset 7 nous dit, il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus avait déjà dit, et pas seulement une fois, pas deux fois, mais ça revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Jésus avait déjà dit, il faut que je sois livré entre les mains des pécheurs, il faut que je sois crucifié. Alors, les disciples ne doivent pas être surpris de ce que Jésus soit mis en croix. Jésus l'avait annoncé, l'avait dit, et il l'avait dit aussi. « Il faut que je ressuscite le troisième jour. » Et on est le troisième jour et les femmes se disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Jésus l'avait annoncé, Jésus l'avait dit, mais elles ne l'ont pas compris. Elles ne l'ont pas saisi et elles ne sont pas capables de réaliser que il est ressuscité, il l'avait dit. Et au verset 8, « Enfin, elles se souvint des paroles de Jésus. » Et on comprend que dans ce souvenir des paroles de Jésus, c'est pas simplement « Ah oui, c'est vrai que Jésus a dit ça. » Mais c'est qu'elle réalise que ce qui se passe maintenant, c'est ce que Jésus avait annoncé, c'est ce que Jésus avait euh, prédit, prophétisé, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors, quand on dit laisse-moi te parler de Jésus, il y en a qui vont être capables de parler et de dire de tout ce que Jésus a dit. C'est bien de savoir ce que Jésus a dit, mais ça suffit pas. Il faut comprendre ce qu'il a dit et être capable de laisser ses paroles éclairer et nous aider à, à, à comprendre les paroles que nous sommes en train de... Euh, ah, on met une diapo qui casse mon, mon pitch, là. Elle arrive plus vite que moi. Alors, ce qu'il a dit. Mais il y a aussi ce qu'il a fait. Ce, les disciples d'Emmaüs disent, il y a ce que Jésus a dit, mais il y a ce que Jésus a fait. Et là encore, c'est euh, notre ami Alain Auderset, où il y a... Ce, Garçon qui dit devant un ange de lumière qui brille devant lui, il dit « Donnez-moi une preuve que Dieu existe. » Et il y en a encore qui sont là en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste ?» Et il y en a qui veulent des preuves sur ce que Jésus a pu faire, sur ce que Dieu a pu faire. Je reviens à ce que disaient les deux disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez, et ils vont dire à... Hein, à Jésus, ce qui est arrivé au sujet de Jésus, un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Ils vont dire là, ici, Jésus était puissant en action, puissant en œuvre. Ses œuvres, ses actes étaient puissants. Et c'est vrai qu'en lisant l'Évangile, on voit qu'il se passe des choses puissantes en effet qu'il y a eu des morts qui sont ressuscités, il y a eu des paralytiques qui ont marché, des, la... des lépreux qui ont été purifiés, des aveugles qui voient, toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges, toutes sortes de puissances qui ont été manifestées ici. Jésus a fait beaucoup de choses. Et quand on dit ⁇ Laissez-moi vous parler de Jésus ⁇ il y en a qui vont être capables de dire tout ce que Jésus a dit, et d'autres vont être capables de dire encore tout ce que Jésus a fait. Et de donner un inventaire de tout ce que Jésus a fait. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans Actes 2, 22, on parle encore de ce que Jésus a fait, et voilà ce que l'apôtre Pierre peut dire à cette foule. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et Pierre va faire référence à tout ce que Jésus a fait, à ses miracles, à ses prodiges, à ses signes. Et encore dans Actes 10, 38, dans la maison de Corneille, voilà ce que Pierre peut dire. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a fait du bien, comment Jésus a fait du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On sait ce que Jésus a fait. Et à cette époque-là, je veux dire que c'était des témoins directs, oculaires. Ils ont vu ces choses, ils ont connu ces choses. Et on sait ce que Jésus a dit, on sait ce que Jésus a fait mais de la même manière que les femmes ne... avaient entendu les paroles de Jésus mais ne comprenaient pas ce qui se passe, est-ce qu'on comprend encore aujourd'hui ce que Jésus a fait Pas seulement savoir. Et lorsqu'on dit ce matin encore, laisse-moi te parler de Jésus, on ne veut pas simplement dire, laisse-moi te dire tout ce que Jésus a dit, laisse-moi te montrer tout ce que Jésus a fait. Il ne s'agit pas simplement de dire ce que Jésus a dit, il ne s'agit pas simplement de montrer ce que Jésus a fait. Il s'agit de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ces choses. Il s'agit de, de saisir le pourquoi, le mobile, pourquoi Jésus a accompli tel et tel et tel miracle. Pourquoi a-t-il agi de la sorte Et la réponse est simple, c'est par amour. C'est par amour que Jésus a dit toutes ces choses. Et c'est par amour encore que Jésus a fait toutes ces choses. Et lorsque nous disons à quelqu'un, laisse-moi te parler de Jésus, on ne veut pas simplement dire tout ce qu'il a fait, mais on veut souligner que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Et ça commence dès assez, assez tôt dans la Bible, on voit que Dieu agit par amour. Et c'est par amour, par exemple, que Dieu va appeler une nation en Abraham. C'est par amour que Dieu appelle Abraham à quitter Ur en Chaldée et à faire de, de ce patriarche eh bien, le père d'une grande nation. Regardez dans Isaïe 41, verset 8, il est dit, mets-toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Et au travers de son prophète, eh bien, euh, Dieu dit « Abraham, je l'ai aimé ». C'est par amour que Dieu appelle Abraham à quitter Ur en caldé et à devenir le père d'une grande nation et devenir ici héritier d'une promesse. Ça continue au verset 9 en disant « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre » et là, quand il y a eu cette vocation d'Abraham de quitter le lieu où il était pour aller vers sa terre promise, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Et peut-être qu'au travers de ces paroles, quelqu'un va avoir un écho dans son cœur. C'est ce que Dieu dit à Abraham, c'est ce que Dieu a dit à Abraham en ce jour-là, c'est ce que Dieu dit à... Au peuple, pour, en rappelant ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est ce que Dieu peut nous dire encore ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Abraham, que j'ai aimé. Et Dieu manifeste son amour envers Abraham. Dieu manifeste son amour envers Jacob, envers Israël. Et Dieu manifeste son amour encore envers nous aujourd'hui. Je allez dire, oui, mais c'est Abraham que Dieu a aimé. Mais dans Genèse 18, 18, au travers d'Abraham, eh bien, c'est une grande nation et puissante, mais en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et en aimant Abraham, Dieu aime toutes les nations de la terre. Et ce n'est pas seulement Abraham qui est béni ici, mais c'est toutes les nations de la terre qui sont bénies au travers de la foi et de ce qui se passe, de l'alliance avec Abraham. Dans Jean 3, on connaît Jean 3, 16, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Et Jésus nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Jésus nous parle de l'amour de Dieu. Et dit, voyez-vous, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donne lui-même le sens de sa mission. Et Jésus donne lui-même le but, l'objectif, le mobile de sa mission. Il dit, si je suis là sous la terre des hommes, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pour ça qu'il donne son fils, afin que le monde ne périsse pas. Et le verset 17, Jésus le confirme en disant, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pourquoi Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dans Romains 5, l'apôtre Paul nous dit, Dieu prouve. Est-ce que c'était nécessaire que Dieu nous donne une preuve Mais en tout cas, l'apôtre Paul écrit aux Romains, il y en a une de preuve. Et si quelqu'un cherche une preuve de l'amour de Dieu aujourd'hui, elle est là. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, Dieu prouve son amour. Cet amour est prouvé et justifié, on peut le démontrer. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Paul dit, quand on était pécheur, quand on n'était pas aimable, quand on était, était rebelle, quand on levait le poing contre Dieu, quand on était là ennemi de Dieu, Dieu nous a aimés. Et nous a aimés d'une manière remarquable, et il l'a prouvé, en ce que Christ Jésus est mort pour nous. L'apôtre Jean lui-même va parler de cet amour et va donner comme encore une, une raison d'être, une preuve de cet amour. Il va dire, voyez à quel point le Père nous a aimés, dans la Bible en français courant, voyez à quel point, 1 Jean 3, 1, voyez à quel point le Père nous a aimés, son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Et l'apôtre Jean va dire, c'est visible. Ça se voit. Si de moi tu veux le voir, ça se voit. C'est pas quelque chose là de, de caché, de mystérieux, ça se voit. À tel point qu'il peut dire Mais voyez, regardez, considérez, rendez-vous compte. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Il nous a aimés tellement. À quel point Dieu a tant aimé le monde. Et Apôtre Jean dit Nous a Tellement aimé, à quel point il nous a aimé. Et son amour est tellement grand qu'il nous appelle ses enfants, qu'il nous adopte comme ses enfants, qu'il fait de nous ses enfants. Et il insiste en disant Et c'est vrai, nous le sommes réellement. L'apôtre Jean dira aussi Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Ici, évidemment, il parle de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, de l'amour que nous devons avoir envers Dieu, de l'amour que nous devons avoir envers nos frères et nos sœurs. Et dans sa démonstration, il donne comme élément de preuve, comme point de base sur sa logique et sa démonstration, car Dieu est amour. Et Jean dit, mais Dieu, c'est l'amour par excellence. Dieu, il n'est pas seulement celui qui aime, il est... Amour. Dieu, c'est l'amour. Comprenez par là que Dieu n'est pas celui qui aime de temps en temps. Il est amour. Ça fait partie de son essence, ça fait partie de ce qu'il est, ça fait partie de, 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 de ses caractéristiques qui le, qui, qui le définissent. Il est amour. Et on comprend que celui qui est amour aime d'un amour grand d'un amour extraordinaire, d'un amour dont on ne peut mesurer, pour reprendre une autre expression de l'apôtre Paul, d'un amour dont on ne peut mesurer la longueur, la hauteur, la largeur ou la profondeur, un amour tellement grand, parce qu'il est amour, il aime autant. Alors quelqu'un dira, oui, mais écoutez, là c'est bien beau, on dit, laissez-moi vous parler de Jésus, et là on parle de l'amour de Dieu. Alors que Dieu nous aime, c'est une chose. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Jésus nous aime L'amour de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a un problème de logique ici Est-ce que ça vous embête ou pas, cette affaire-là Je réveillais quelqu'un Non Bon. Jésus dira dans Jean 14 à Philippe, un des apôtres, Philippe lui avait dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe dit, on veut voir Dieu, montre-nous, révèle-nous. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, tu as encore des choses à apprendre concernant Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Et Jésus lui dit, ben, c'est lui-même là. Philippe, il y a des choses que tu dois comprendre encore. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Et Jésus est en train de dire à Philippe le Père et moi, c'est la même chose. Le Père et moi, on est identiques. À tel point que celui qui me voit voit le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne vais pas rentrer ici dans un grand débat théologique concernant la Trinité, mais nous croyons que Dieu est trois Père, Fils et Saint-Esprit, que les trois sont Dieu et ont la même nature et les mêmes caractéristiques. Et quand nous disons que Dieu est amour, c'est le Père qui aime. Mais c'est Jésus aussi qui aime. Et c'est aussi l'Esprit qui aime. Non En tout cas, Jésus ici le dit clairement. Et il dit à Philippe, celui qui me voit a vu le Père. Et il continue au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Et on voit que là, il y a une, une union, nosmose une entre le Père et le Fils. Ils sont un. À un moment donné, il dit un, hein, qu'ils soient un comme moi et, et il parle au Père et toi, je suis un. Ils sont un ici. Donc ce qui est vrai pour le Père est vrai pour le Fils. Les paroles que je vous dis... Je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Alors, Jésus ici rappelle qu'il est intimement lié avec le Père, qu'il forme un. Alors, tout ce que nous avons dit il y a quelques instants concernant Dieu, de manière générale, ou concernant le Père, de manière plus précise, eh s'applique et est vrai concernant Jésus. Si le Père a tant aimé, Jésus lui-même a tant aimé. L'apôtre Paul écrit aux, aux Philippiens aussi et il dit, le Père a tant aimé qu'il a donné, on a vu ça dans Jean, oui, mais je, le Père a tant aimé qu'il a prouvé son amour. En ce que Christ est mort pour nous, oui, mais le fait aussi que Jésus lui-même meurt sur la croix est une preuve d'amour. Et aux Philippiens, il est dit Comportez-vous entre vous comme on le fait quand, quand on connaît Jésus-Christ. Ayez une attitude là qui soit chrétienne, quelque part, c'est ce que ça veut dire. Il possédait depuis toujours la condition divine, son égalité avec Dieu, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Et pourquoi Jésus s'est dépouillé, s'est humilié, a renoncé à ce qu'il avait C'est par amour, c'est parce qu'il nous aimait. Verset 8. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. La mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Jésus prouve son amour pour nous. Et si quelqu'un dira, mais comment est-ce que je sais que Jésus m'aime Comment être certain que Jésus m'aime Jésus te l'a prouvé et te l'a montré en mourant sur une croix. En mourant sur la croix pour toi, par amour. Dans Jean 15, Jésus dit C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, Jésus dit lui-même Si à un moment donné il a pu dire que Dieu a tant aimé, là il dit Moi, je vous aime. Et Jésus dit Je vous ai aimé. Et il dira au verset 13, et pour qualifier son amour, il dira Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus dit, je vous ai aimé, et je montre la grandeur de mon amour, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est ce que Jésus fait. Et Jésus dit, vous êtes mes amis. Comprenez toute la relation qui y a ici. Jésus dit, vous êtes mes amis. Il vient de dire, je vous aime. Et il vient de dire, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, vous êtes mes amis. Et on comprend que Jésus montre la grandeur de son amour en donnant sa vie pour ses amis. Il n'y a pas, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Pour être ami de Dieu, il faut obéir à sa parole. Verset 15, Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus dit, vous êtes mes amis. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que tu veux être ami de Jésus Et Jésus a déjà montré son amour envers toi en ce que il est mort sur une croix pour toi. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, Jésus l'a fait et c'est accompli. Tu dis non, non, mais ce n'était pas nécessaire. Pour lui, ça l'était. Et peut-être que toi, tu penses que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais tu as besoin de comprendre que c'était même capital, indispensable et salutaire. Jésus est mort pour toi. Et s'il est mort sur une croix, c'est parce qu'il t'aime. Mais comment est-ce qu'on peut mourir sur une croix parce qu'il m'aime moi, moi, je suis en 2000... On est en 2000 quoi là En 2012. <laughs> je suis en 2012 et puis Jésus est mort en... Je ne sais pas trop, à peu près. Il y a, il y a, il y a plus de 2000 ans. Oui, il y a 2000 ans, il me dit, mais c'est quoi cette affaire Comment est-ce qu'il a pu mourir pour moi Voyez-vous, Dieu est grand, connaît l'humanité, il connaît le monde, il connaît l'avenir, et il te connaissait avant même que tu naisses. Et en tout cas, il savait que l'homme était pécheur, qu'à cause de la condition pécheresse de l'humanité, l'homme est condamné à mort, est condamné à un jugement éternel, est condamné à une perdition est condamné à l'enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas voulu que l'homme périsse. Il ne veut pas que l'homme périsse, qu'il meure, qu'il soit condamné à, à jamais. Alors il donne Jésus. Et Jésus meurt sur une croix. Et il était, il était important que Jésus meure. Parce que quand Jésus meurt, en fait, il, il meurt de la mort d'un condamné à mort. Et si Jésus meurt de cette mort d'un condamné à mort, il prend ta place. Il y a là ici une substitution. Il prend ta place parce que, d'une certaine manière, peut-être qu'il y en a qui sont conscients de cela et d'autres qui ne le sont pas, mais vous êtes condamnés à mort. Et oui, on sait qu'on mourra tous. Non, je ne parle pas de cette mort physique. Je parle de pire encore, d'une seconde mort, comme pourrait dire l'Apocalypse, d'une mort spirituelle. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est cette séparation d'avec Dieu. Mais Jésus paye, prend ta condamnation à mort, afin que tu ne meurs plus, mais que tu vives. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la vie qui t'attend. Et il donne sa vie, afin que toi, tu ne meurs plus, mais que tu vives. Dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça Simplement croire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, et c'est la seule condition, croit, reçoit, comprend, réalise ce que Jésus a fait. Il est mort sur une croix parce qu'il t'aimait, c'est une preuve d'amour. Il a pris ta place et toi pour, pour recevoir ce don précieux, pour recevoir ce salut de Dieu, pour recevoir cette vie de Dieu. Il s'agit de croire simplement. J'arrive à à la conclusion. Et en conclusion, je, je vais prendre la finale de Jean et souligner quelques effets dans Jean 19. Il est dit quand Jésus était sur la croix, que Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Et à la fin de l'évangile de Jean, on a davantage de cette expression-là. On insiste sur ce disciple que Jésus aimait et là, dans cette circonstance ce disciple que Jésus aimait, eh bien, il lui dit, il dit à sa mère, voici ton fils, et il dit à ce disciple, voici ta mère. Est-ce qu'il dit ça pour prendre soin de Marie, certainement Mais est-ce qu'il dit ça aussi pour prendre soin de ce disciple qui avait peut-être besoin d'une mère aussi, certainement Marie de Magdala pouvait dire aussi dans, euh, enfin, on a dans Jean 22, elle courut, là c'est Marie de Magdala qui court, alors trouvait Simon-Pierre, et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus. Et elle va dire, mais Jésus est ressuscité. Mais comprenez ici que encore une autre fois, lorsqu'on parle de ses disciples, on dit ce disciple que Jésus aimait. Dans Jean 21, il est dit le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Et dans Jean 21, 20, Pierre se retourna et vit derrière eux. Jean 21, 20. Non, on l'a pas Jean 21. Alors que ça doit être le... le... Ah, Pierre se retourna. C'est la même chose. C'est moi qui ne suis pas réveillé, je ne sais pas. C'est le décalage, excusez-moi. Décalage horaire. Je suis encore à l'heure d'hiver. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait. Quatre fois. Et qui est-ce qui écrit ça C'est Jean. C'est le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jean sait que Jésus l'aime. Il le dit quatre fois à la fin de l'évangile. Et Jean insiste à la fin en disant Je sais que Jésus m'aime. Et Jean, même dans. dans dans cette manifestation-là, dans, dans, dans ce témoignage, il présente comme si, pour lui, Jésus l'aime et c'est comme si les autres ça compte pas. Et peut-être quelqu'un serait peut-être jaloux en disant Mais c'est quoi ça Jésus aimait Jean et puis les autres alors Évidemment que Jésus aimait les autres, non Quand il dit Je vous appelle mes amis, il dit parce que je vous ai aimé il ne dit pas juste, juste Jean. Hein? Non, non. Mais Jean ici écrit de la sorte, parce que quand on se sent aimé de quelqu'un, les autres, ça ne compte pas. Pour Jean, la seule chose qui compte, c'est Jésus même. Et il insiste ici sur, il est le disciple que Jésus aime. Jean le sait, il en a conscience. Et, et il, il le manifeste, il l'écrit, il en rend témoignage. Et la question qu'on pourrait dire en ce qui nous concerne, est-ce que vous avez conscience que Jésus vous aime? Est-ce que vous êtes capable de dire comme Jean, je suis le disciple que Jésus aime? Moi, des fois, j'ai l'impression que le Seigneur m'aime plus que vous. Parce que je sais qu'il m'aime. Je sais que son amour est le grand. Je sais que ce n'est pas vrai hein, qu'il qu vous aime autant. Que, un petit peu comme si on demande aux parents Tu as plusieurs enfants, c'est lequel que tu aimes le plus? alors ne peux pas te le dire. Je l'ai pas. Alors on a une réponse politiquement correcte à dire. Non, non je les aime tous pareils. Alléluia. Mais des fois, c'est que c'est pas tout à fait vrai. dans certaines familles, il y a des privilèges ou des préférés. Mais avec Dieu, ça marche pas comme ça. Il est amour. Et son amour n'a pas de préférence, il ne fait exception de personne et il a pas de préférence chez Dieu. Mais si, Jésus, si Jean écrit ⁇ Jésus m'aime ainsi ⁇ c'est parce qu'il a conscience que l'amour qu'il a est tellement grand qu'il ne voit pas l'amour que... C'est personnel, c'est intime. Vous savez, quand on dit ⁇ Jésus m'aime ⁇ c'est comme... C'est entre lui et moi, vous ne pouvez pas savoir. Et, et du coup, c'est personnel, c'est intime, on a l'impression que les autres n'ont pas la même chose. Parce que c'est personnel et c'est intime. Je ne sais pas, moi, quel, quel amour vous avez de Jésus et est-ce que vous vivez dans cette relation d'amour, si je peux dire les choses ainsi, avec Jésus. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'il m'aime. Et c'est qu'il prend soin de moi. Et il m'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Et, et Jean, c'est ce qu'il exprime et c'est ce qu'il manifeste à la fin. Et c'est important ce matin de réaliser même si on est chrétien depuis longue date, que Jésus t'aime. Je reviens à, à cette expression, et en, Jean l'avait déjà manifestée, là on était juste à la fin de l'évangile, mais déjà au chapitre 13, cette expression arrive, dans un contexte particulier, et on arrive à, à Jean 13, 23, l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Et il est dit au verset 24, Simon Pierre lui fit un signe pour qu'il demande de qui Jésus parlait. Jésus venait de dire que dans la bande des douze, il y avait un traître. Et Pierre fait signe à Jean en disant, Jean, toi qui sais que Jésus t'aime, demande-lui de qui il parle. Pourquoi Pierre ne l'a pas demandé lui c'est comme si Pierre n'avait pas cette même conscience que Jésus l'aimait. Vous où mais Pierre, Jésus, des fois, lui a dit des paroles en disant Pierre, euh, arrière de moi, Satan. Et ça, c'était dur. Hein. Quand Jésus m'a dit ça, oh, je l'ai mal pris. <laughs> Ou que Pierre, hé, hey, mais Jean, Jésus l'a traité de fils du tonnerre, Vous un ergesse parce qu'il voulait faire descendre l'éclair sur le village des Cananéens, personne ne le croit, et bien, les Samaritains et Cananéens, que, que le feu leur tombe dessus. Mais Jean, même si Jésus l'a repris, il sait que Jésus l'aime. Et quand on sait que Jésus nous aime, on est près de lui, et c'est ce qui se passe ici, Jean était près de lui, et on peut lui demander des choses que les autres ne peuvent pas. Et si vous prenez conscience ce matin que Jésus vous aime, vous allez être plus près de lui et vous allez pouvoir même lui demander ce que d'autres n'osent pas demander. Parce que quand on sait que celui à qui on demande nous aime, on peut lui demander ce qu'on veut. Jésus, à un moment dit, vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, eh bien, Dieu donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et au verset 25, le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda, Qui est-ce Alors dans cette équipe, on peut être comme Judas est un traître. Jésus les appelle amis, mais lui refuse cette amitié. Et lui ne prend pas conscience que Jésus l'aime. Et Jésus aime Judas pareil. Mais Judas refuse cet amour et va trahir Jésus. Pierre est aimé de Jésus. Mais on n'a pas la pleine conscience encore où il suit Jésus, il marche, il est dévoué, il, est, il fait beaucoup de choses pour Jésus, mais il n'est pas arrivé comme Jean. À cette sensibilité, ce cœur à cœur, je sais qu'il m'aime. Alors ce matin, cette petite phrase paraît toute simple Jésus t'aime. On puisse réaliser qu'il nous aime puisse réaliser qu'il t'aime d'un amour grand et il l'a prouvé à la croix et si tu n'as pas réalisé encore ce que Jésus a fait à la croix c'est le temps ce matin de dire Seigneur je réalise que tu m'as prouvé que tu m'aimais et je veux accepter recevoir ce don cette vie tu es mort pour moi et je veux pas que tu sois mort pour rien mais je veux que ce que tu as fait pour moi ça puisse et eh bien changer ma vie que je ne meurs plus, mais que je vive grâce à ce que tu as fait pour moi. Et même si c'est des choses que vous avez réalisées depuis longtemps, même si vous êtes chrétien depuis longue date, ce matin, qu'on ne ressemble pas à Pierre, mais qu'on ressemble davantage à Jean, avec cette pleine réalité. Quand Jean écrit ça, il est vieux. Hein, ce n'est pas juste sur l'émotion parce que ça vient d'arriver, mais ça fait des années que ça s'est passé. Mais il insiste à la fin de son Évangile. Je sais que Jésus m'aime. Et qu'on puisse nous aussi ne pas l'oublier, mais en avoir cette conviction et, et le saisir ce matin encore plus d'une manière nouvelle. Je sais qu'il m'aime. J'invite les musiciens à s'approcher, on va prier ensemble. Seigneur, nous disons merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Et je veux prier particulièrement ce matin pour, pour ceux qui n'ont pas peut-être compris encore ou réaliser la grandeur de ton amour. Pour ceux qui n'ont pas saisi encore à quel point tu les aimes. Seigneur, ceux qui n'ont peut-être pas saisi encore ce qui s'est passé à la croix, ils connaissent ce que tu as dit, ils savent ce que tu as fait, mais ils n'ont pas encore vraiment compris pourquoi tu étais mort sur une croix et ressuscité le troisième jour. Seigneur, je prie que ton esprit maintenant puisse convaincre les cœurs. Et amené à réaliser la grandeur de Ton amour, qu'on soit là comme submergé par Ton amour. Alléluia. Seigneur, je prie pour pour ceux qui te connaissent depuis longtemps, qui ont besoin de plus de Toi ce matin encore, qui ont besoin de de mieux saisir Ton amour. Seigneur, donne-nous de le comprendre, de le réaliser et de le vivre. Seigneur, viens par Ton Esprit maintenant encore changer et transformer nos vies. Amen. Música